Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage 4 adresses qui proposent de la nourriture indienne à Casablanca. Je vous laisse, comme d'habitude, en barre de description, les pages Instagram et les sites internet des restaurants pour que vous puissiez vous faire une idée sur le menu ainsi que les prix des plats proposés. Je vais commencer par mon coup de cœur, mon préféré, c'est Bollywood. Le cadre est assez spécial avec des portraits d'acteurs indiens dessinés sur le mur. L'accueil est chaleureux, la nourriture est excellente. Ça fait pas longtemps qu'ils ont ouvert, donc j'espère que la qualité ne diminuera pas au fil du temps. Nous avons pris différents currys, nous en avons pris un aux épinards et paneer. Donc paneer, c'est une sorte de fromage blanc doux coupé en cubes. Donc le plat a coûté 90 dirhams, c'est mon préféré. Nous avons pris un karai paneer à 90 dirhams aussi, un curry à l'agneau et un chicken tikka masala à 90 dirhams, ainsi que du riz basmati et des naans. C'était délicieux. Je passe ensuite à Clé Oven. Le restaurant est très grand avec différents espaces. Il est joliment décoré, bien entretenu. L'ambiance est agréable et la musique est relaxante. Le service est excellent, la nourriture était bonne. Nous avons pris un chicken masala à 95 dirhams, un mutton Rogan Josh à 100 dirhams, du riz et des naans, et deux plats dont j'ai oublié le nom. L'un était à base de poulet et l'autre à base de gambas. Je passe maintenant à Indian Corner. Contrairement aux autres restaurants présentés dans cette vidéo, il n'y a pas vraiment de décoration, mais le resto est propre, le proprio est présent et à l'écoute. Nous avons choisi des menus avec entrée, plat principal. Au moment où nous y étions, ils avaient 4 formules, une à 105 dirhams, une à 155 dirhams, une à 135 dirhams et une autre à 175 dirhams. Donc comme nous avons sollicité le monsieur, il nous a aidé à choisir, mais je vais être franche avec vous, je ne me rappelle plus très bien des noms des plats. Il a vraiment pris le temps de tout nous expliquer, de nous donner les noms des plats, ce qu'ils contenaient, s'ils étaient épicés ou pas, mais je n'ai pas retenu, je n'étais pas très concentrée. En tout cas, les entrées et les plats que nous avons pris étaient bons. Je vous invite à checker les prix et les menus sur les pages Instagram et les sites des restaurants car les prix et les menus sont sujets à changement. Comme ça, vous n'aurez pas de surprise une fois sur place. Pour finir, nous avons India Palace. L'accueil est chaleureux, le menu est varié, le service est bien. Nous avons pris un chicken tikka masala, un mix vegetable et un curry agneau, mais j'ai oublié le nom exact qui figurait sur le menu. Du riz basmati et des naan à l'ail. C'était délicieux. La vidéo d'aujourd'hui est terminée, j'espère qu'elle vous plaira. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.